On a trois raisons. Première raison, si tu es président, à conseiller, tu es valable. Chaque fois que tu as changé un bagage dans la constitution, dans l'intérêt, tu es capable seulement de venir avec une nouvelle constitution par référendum bidon, même Jean Axtenio Vincent, avec Divalier, ou bien Axa a préparé pour nous. Deuxièmement, origine interdiction référendum dans l'article 284-3 remonté dans l'année 1946 et interdiction ça a été établie, je nous dis là, parce que le président Justin Vincent t'est remplacé dans l'année 1937 par moyen référendum toute constitution démocratique 1932 qui était élaborée par le Parlement haïtien. Interdiction qui était posée dans la constitution 1946 là, qui te reprend dans la constitution 1950 là, 1957, qui visait interdit mode coup de force dans la constitution 1987 là, et le président lui-même lui propose tout bagage ça, lui ignore. Le président doit connaître tout. Il y a un principe fondamental en droit qui voulait qu'on ne puisse pas interpréter un texte juridique en vue de l'annuler, de le vider de sa substance, de lui conférer un caractère absurde ou bien de lui faire avoir des effets contraires. C'est le principe actus interpretandus est potius ut valeam quac ut perea. Nous avons Henri Roland à ce propos qui écrit dans son lexique juridique cette expression latine: un acte doit être interprété dans le sens où il produit effet plutôt que dans le sens où il serait dépourvu. Référendum inconstitutionnel qui est annoncé à reposer sur un décret présidentiel qui est lui-même tout anticonstitutionnel dans l'existence dans la date 31 décembre 2020. Article 284-3 dans la Constitution 1987 là, ce n'est pas un article qui contre Jovenel, mais c'est un article anti-coquin, présent et futur, et un article anti-dictature. Il protège nous depuis 34 ans contre tout dictature en notre pays. C'est ça que fait. Peuple haïtien prend position pour article 284-3 en la constitution en vigueur. Il veut fuck les respecter. Et ça fait qu'il n'y a pas une volonté pour participer dans le référendum, non, pour aller voter ni pour ni contre. Il n'y a pas de bagarre ça. Même. Je n'ai pas regardé le chef d'État africain qui change régulièrement pour avoir un référendum constitution pays pour qu'il y ait un pouvoir détaillé, un pouvoir indéfini. C'est le cas Ouganda, Tchad, Rwanda, Congo, Brazzaville, Guinée-Conakry. Ma profite pour me dire, frère nous qui en Afrique, c'est nous qui ont adoué les mêmes dispositions dans le moment où nous avons eu. Chef de l'État haïtien, prend route, prend tout haïtien pour imbécile. Lui-même seul à conseiller qui se n'est que sa vie dans le pays. Il vit dans son propre univers, il a perdu tout sens des réalités. Ma fini pour me dire, référendum ça qui annoncé là, c'est un acte arbitraire, anticonstitutionnel et sans base juridique. C'est une violation grossière de la Constitution. Il n'aura pour effet que de rétablir la dictature en Haïti, d'enfoncer encore plus le pays dans la crise, de fermer définitivement la porte à un indispensable accord politique et de repousser davantage la perspective de la tenue d'élections libres et crédibles, le préalable indispensable pour sortir de cette profonde crise qui affecte le pays. La politique de l'unilatéral est du fait accompli et sans l'avenir. Merci. Merci.